Jour 4! Ouais, on tient le coup, même si c'est pas facile. Salut à tous les amis! Oui, c'est encore moi! Tant qu'il y a de l'inspi, il y a de l'espoir! Et ça fait déjà 4 jours d'affilée qu'on se retrouve! On n'est pas bien ensemble ici? Dis-toi, je vous vois même plus que mes propres potes! Ah, c'est chaud ça quand même! Eh, vraiment, si tu me soutiens et si tu souhaites qu'on garde ce rythme de publication, like la vidéo dès maintenant! Ah ouais, sinon moi je peux pas savoir si vous kiffez ou pas! Du coup, aujourd'hui on va se faire une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé et de ce qu'on a pu voir en tendance sur YouTube en 2017. Autant te dire que c'est pas toujours beau à voir. Ah, prépare-toi à découvrir de belles. C'est des bien gros seins, hein, comme on aime, hein! Ouais, c'est vrai que c'est assez dégueulasse. C'est parti! Pour commencer cette vidéo, tu te doutes bien de quoi on va parler! Si, en fait, là tu dois te dire, oui, je me doute bien. Les hand spinners, et ouais, je suis désolé, mais ça a fait un buzz énorme! Encore plus gros que le cul de Kim Kardashian! Mais j'ai déjà fait cette blague hier, non? Ah, quand tu sors des vidéos tous les jours, c'est ça le risque, au bout d'un moment, c'est même plus ce que tu dis. Mais tu te souviens qu'on voyait des hand spinners partout, c'était incroyable! Putain, c'était vraiment une belle époque! De merde! Eh, y'en a certains, ils ont surfé sur la vague, mais genre vraiment, hein. Jusqu'à la fin, ils étaient même plus dans l'eau, ils étaient sur le sable, ils le savaient même pas, tu sais, ils continuaient de surfer, les mecs. Alors qu'il y avait même plus de vague, tu sais. Et le champion, toute catégorie confondue, on ne le présente plus, vous le connaissez. Et oui, c'est Mauno, il a plus de 345 vidéos sur le sujet. Il maîtrise l'objet, il le connaît à la perfection. Bon, certes, il y a juste une fois où il s'est coupé la bouche avec, mais qu'est-ce que tu veux, c'est les risques du métier, ça arrive même au plus grand de ce monde. Et en gros, beaucoup me demandaient si je me suis coupé la bouche avec alors. Regardez, quand j'ai fait ça, je l'ai mis ici. Non, je ne me suis pas coupé la bouche, mais oui, je me suis fait mal. Après, voilà, mal, c'est comme si, genre, tu prends ta main, tu fais ça. Avec deux doigts, tu fais... Tu vas avoir mal un peu, c'est comme un pétard. Ah non, je vous explique, en fait, c'est pas couper la bouche. Il l'a juste rapproché, et comme il l'a dit dans la vidéo, c'est là que ça a touché, et c'est à ce moment-là qu'il s'est fait un peu mal, genre, mais... Ouais, bon, c'est vrai, c'est du putaclic pur et dur, j'arrive pas à te défendre, mon gars, désolé. Par contre, hein, sans mentir, il y a une fois où c'est coupé le visage avec le hand spinner, je te laisse regarder. Un hand spinner comme ça peut te faire mal, mais ne peut pas te couper, regarde, je vais te montrer la preuve. Voilà, ça fait mal, mais ça coupe pas. Après, si ton hand spinner, ici il y a un couteau, ici il y a un couteau, ici il y a un couteau, évidemment tu vas faire ça, et là, ben là tu vas crier. Ah non, toujours pas. Bah, vous savez quoi, on va le laisser faire joujou avec les hand spinners, on va traiter un autre sujet. En 2017, on a aussi eu la mode des... tickets à gratter. Oh shit! Ah, me demande pas pourquoi, moi j'y suis pour rien. Sachant que pour réaliser cette vidéo, la plupart des youtubeurs achetaient pour 100€ de tickets à gratter. Ah non, merci, c'est pas pour moi. Je suis paradin, loin de là, mais 100€ c'est mon salaire annuel sur YouTube, donc bon. Et comme dans chaque catégorie, on a un grand gagnant. Ici, c'est le grand, l'unique, l'indétrônable. Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon. Ah bon, bref, tu vois de qui je parle. Il a fait plusieurs vidéos sur le sujet, il a même fait des lives pour qu'on puisse ressentir son stress en direct. C'était vraiment des moments magiques à vivre. Une fois, il a gagné une somme colossale, j'en avais les larmes aux yeux, je te jure. Donc ça fait 40€ et là il y a 5€, ça fait 45€. Voilà, 45€ en tout sur 100€ joué, c'est nul. C'est clairement nul, ça fait la moitié de perdant. C'est plus que nul finalement. Non non, mais t'as pas la fois où il avait gagné un gros gain, genre, tu sais, tu te souviens pas? Ah, il a jamais gagné. Non, plus sérieusement, j'ai rien contre David Lafarge. D'ailleurs, j'aime plutôt son énergie et le fait qu'il travaille de manière acharnée sur toutes ses vidéos. Bon, oui, t'as raison, c'est vrai qu'il fait aucun montage, mais au moins, il publie pas mal de vidéos pour sa communauté. Ah, par contre, ce challenge, ah, je suis pas d'accord. Il a beau dire en début de vidéo qu'il ne faut pas le reproduire et que ce n'est pas un exemple à suivre, mais quand t'as plus de 1 million d'abonnés, pour la plupart très jeunes, qui te suivent depuis des années, dis-toi que quoi que tu fasses aura un impact sur certains d'entre eux. Crois-moi. Pas ça! Pas ça! Voilà, c'est tout pour moi, merci à tous. Alors, attends, on a eu quoi d'autre cette année encore? Ah ouais, les pranks. Alors là, on a le droit de tout, de tout. Il y en a certains, ils faisaient croire à leur mère qu'ils étaient morts, du coup. Bah, elle tombe, c'est logique. D'autres qui faisaient croire à leur père qu'ils vendaient de la drogue. On a vu des trucs de fou, je te jure, c'était incroyable cette année sur YouTube. T'es sûr que j'en fais pas un peu trop là, ça va, c'est bon? Malgré les nombreux concurrents présents dans cette catégorie, seul un a réussi à tirer son épingle du jeu de façon déconcertante. Perdi. Ah, que t'aimes ou non ce qu'il fait, grâce à ses pranks, il a vu sa chaîne exploser. À l'heure actuelle, là, il a même dépassé le million d'abonnés. Ah, être pranker sur YouTube, ça paye, hein. Alors, cette année, on a aussi eu l'honneur d'accueillir une nouvelle catégorie, les essaye de ne pas être satisfait. Bon, alors là, je vous avouerai que j'ai pas bien compris le concept. En gros, c'est des mecs qui regardent des vidéos cheloues et soi-disant, ils sont satisfaits. What the fuck?
Et là c'est pareil, on a eu un tas de concurrence, ça a été super dur de départager. Ouais, au cas où t'as pas compris, je m'improvise membre du jury, Crary, là. Franchement, certains étaient pas mal, mais je les trouvais un chouïa trop satisfait. Non, mais non. Oh, oh, la, oh le synchro. Ah ouais. Ah d'accord. Ah ouais. Tu vois là, il apprécie trop la vidéo, c'est pas bon ça. Oh c'est trop, oh c'est trop, ah je kiffe trop ces trucs comme ça là. Oh, c'est de la barbe à papa. Lui aussi, il kiffe trop son moment, c'est mort, je lui donnerai pas la coupe, c'est mort. Bon, vous savez quoi, il y aura pas de gagnant dans cette catégorie, comme ça c'est fait, on passe à autre chose. Bon après c'est vrai que j'ai pas envie de vous retenir trop longtemps non plus. Donc je vais tenter de finir cette cérémonie assez rapidement et en plus de ça, je dois rendre l'antenne dans 2 minutes maintenant. Pour conclure, on a vraiment eu une année pleine de rebondissements sur YouTube. Et encore, elle est même pas finie. J'ose même pas imaginer quelle connerie on va bien pouvoir inventer. Non, parce que je vous ai pas encore parlé de toutes les tendances qu'on a eues, parce que sinon on n'en finit jamais. Ah, tu penses que je suis un mytho et que j'essaye d'abréger ma vidéo pour partir plus vite à la salle de sport, c'est ça? Moi? Jamais! Dis pas ça! C'est sacrément beau ça. Bon, si j'avoue, mais je peux quand même te citer d'autres tendances si tu veux. On a eu les vidéos avec les couteaux qui faisaient plus de 1000 degrés par exemple. C'était impressionnant ça, les gens ils coupaient des objets avec des couteaux chauds et tout, c'était un truc de ouf. Putain. T'avais aussi les essayes de ne pas chanter ni danser. Les vidéos étaient super intéressantes, en gros tu devais écouter des musiques et ne pas bouger, c'était incroyable. Ah, et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Bon, vu comme ça, c'est vrai que c'est pas terrible, mais je t'assure que le public de YouTube adorait ce genre de vidéo. Ah oui, le meilleur pour la fin. The Lyrics Prank. Alors ça, si tu veux te lancer sur YouTube, c'est the coup de pouce. Qui que tu sois, tu fais des vues, c'est garanti, c'est cadeau. Bon, après ta crédibilité, voilà quoi. Oui, c'est vrai, moi aussi j'ai fait des Lyrics Prank, mais justement, c'était de la mise en scène, c'était pour rire. Tu crois vraiment que j'aurais affiché mon ex comme ça sur Internet, sans scrupule? Oui, j'ai pas d'ex, mais bon, c'est pas... Ok, on a le clavier de coupe. J'ai fini pour cette vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à la liker et à la partager. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Et voilà, c'est fini. Wouh. On se retrouve demain si je suis chaud.